قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحبتي في الله، il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer. Et ce qui est important à savoir et à prendre en considération, c'est que ce qui fait partie de l'adoration al-ibada, c'est d'être quelqu'un d'ouvert, de sociable, de facile, de doux, de proche, avoir une proximité avec les gens de façon générale. Et non seulement avec les musulmans, avec ton frère et ta sœur, mais de façon générale avec les gens. Et donc, a fortiori, cette proximité, cette sociabilité, cette douceur, cette être facile doit être encore plus intense, eh bien, vis-à-vis de ton frère et ta sœur, musulmans et musulmanes bien sûr. Eh bien, le musulman, il est sociable. Et quand on parle de sociabilité, bien sûr, ce terme, même en langue française, eh bien, englobe plusieurs termes ou plusieurs critères. C'est le fait d'être quelqu'un de proche, de facile, d'ouvert, qui aime la communication avec les gens, qui se mélange avec les gens, qui n'a pas de problème à se mélanger avec les gens, peu importe la croyance de Foulen ou de Allen, d'un tel qui est en face de toi. Il peut avoir la même croyance que toi, ou bien une autre croyance, une croyance différente. Peu importe, le musulman reste sociable. C'est-à-dire, eh bien, je ne crois pas à ce que tu crois, tu ne crois pas à ce que je crois, mais par contre, cela ne m'empêche pas du tout de te côtoyer, de t'apprécier, de t'aimer, dans certains cas, de t'aimer, aimer un non-musulman, na'am, de t'aimer. Car cela, comme l'ont mentionné al-ulama, dans les sujets qui concernent al-aqida, ne relève pas de al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, comme certains le prétendent. On ne peut pas aimer un non-musulman. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'a pas la même croyance que toi. Là, je ne parle pas d'aimer sa croyance, l'aimer ou le détester en Allah Azza wa Jalla. Je parle de l'aimer, d'un amour naturel. Nous sommes des êtres humains. Allah t'a créé, Allah l'a créé, Allah t'a donné un cœur. Et tu ne gères pas tous tes sentiments tout le temps, à tout moment. Et c'est pour ça que, même si tes parents ne sont pas musulmans, il ne t'est pas interdit ici de les aimer. Bien au contraire, tu as le droit de les aimer, tu dois les respecter de la meilleure des manières, de te comporter du meilleur ou de la meilleure des manières avec eux ici-bas. Et de même, tu as le droit de te marier dans certains cas avec des gens qui ne sont pas de confession musulmane. Je parle à toi, mon frère. S'ils font partie de Ahlul Kitab, les gens du livre, une juive ou une chrétienne, cela est autorisé dans certains cas en islam en remplissant certaines conditions. Pourtant, elle n'a pas la même croyance que toi. Donc ça veut dire que si tu as le droit de te marier, tu as le droit de l'aimer. Donc, ala kulli hal, le fait d'être sociable, ça réunit tout ce que je viens de dire de façon assez brève et assez concise. C'est d'être quelqu'un de sociable, d'être ouvert, d'être joyeux, de sourire, d'être pas quelqu'un de renfermé sur lui-même, de voir le mal tout partout autour de lui, de penser que c'est lui le meilleur dans tous les cas, et il se renferme sur lui-même et il réagit avec des comportements sectaires, wal'iyadhu billah. Quelqu'un de sombre. Non, le musulman, loin de là. C'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui dégage une lumière à travers ses paroles, son comportement vis-à-vis des musulmans et des non-musulmans. Telles étaient les recommandations du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, d'être ainsi. Et telles sont les recommandations divines. Et les textes en sont nombreux dans le Saint-Coran et dans la Sunna authentique, parmi ces textes-là. Pour voyager à travers les paroles divines et les paroles prophétiques, on a un hadith, un récit prophétique avec une bonne chaîne de transmission rapporté par l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, où il a dit lui-même, le prophète alayhi salatu wa salam, « Ala ukhbirukum » بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارِ. Voulez-vous que je vous informe de celui dont l'enfer lui est interdit? Celui dont l'enfer lui est interdit. Allah, il a interdit son entrée en enfer. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même, de grandiose. Ils ont dit, bala ya Rasulallah. Oh que oui, bien sûr, ô messager de Dieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, عَلَى كُلِّ هَيِّنْ لَيِّنْ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ. Il a dit, eh bien, l'enfer est interdit à toute personne, écoutez bien, qui est calme, qui est une personne douce, qui est une personne proche des gens, sociable. Il n'a pas dit des musulmans. Qaribim minan nas, des gens.
sahlin, qui est facile. C'est-à-dire, il a une approche facile. Tu parles avec lui, tu ne parles pas avec un mur. Tu parles avec lui, il est facile. Il discute avec toi facilement. Eh bien, il a la discussion facile. Il te met à l'aise. Tu peux le mettre à l'aise. Eh bien, c'est quelqu'un de sociable et d'ouvert. C'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui l'a dit. Dans un autre récit prophétique, rapporté toujours par l'imam Ahmad et Dad Bissanadin Hassan, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Al-mu'minu ya'lafu » At-ta'alluf, le prophète il parle de quoi? Regardez le terme qu'il utilise. Al-mu'minu ya'lafu. Wa la khayra fi man la ya'laf. Wa la yu'laf. Le croyant, eh bien, il agit avec ce terme qui est très riche. C'est un terme qui renvoie vers la proximité, vers l'amour, vers le fait d'être attachant. Eh bien, le croyant est ainsi. C'est des mots forts en arabe, très riches. On ne peut pas le définir avec un seul mot en langue française. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, voilà comment est le croyant. Ya'laf, il est quelqu'un de proche, d'aimant. C'est quelqu'un qui est attachant. Il a une proximité, il est comme ça. C'est-à-dire, quand il parle avec les gens, il se fait aimer facilement. Et les gens l'aiment. Il est comme ça avec tout le monde. Subhanallah, il gagne les cœurs des gens par la permission d'Allah, jalla fi'ula, de par le cœur pur qu'il a. Et la bonne compréhension et surtout l'application de cette noble religion. Eh bien, le prophète alayhi sallam ensuite il dit la khayra, il n'y a pas de bien. Fi man la ya'laf wa la yu'laf, il n'y a pas de bien chez celui qui n'a pas ces critères-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est-à-dire proche des gens, aimant, attachant. Et de même, les gens ne l'aiment pas, les gens ne veulent pas s'approcher de lui, les gens s'en écartent, les gens. Et ça, ça nous pousse à quoi? À se mélanger aux gens. À essayer de gagner le cœur des gens, peu importe les gens, à être sociable, à être ouvert. Mais tu gardes ta croyance et ils gardent leur croyance, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Et la tolérance doit aller dans les deux sens. Je suis tolérant, mais toi tu dois être tolérant. Je peux avoir des croyances qui t'étonnent, peu importe, comme toi tu peux avoir des croyances qui m'étonnent, peu importe. Par contre, cela ne nous empêche pas à avoir ou vivre avec ce qu'on appelle le bon vivre ensemble. Et l'islam appelle au bon vivre ensemble, à la sociabilité, à l'ouverture. Et c'est pour ça que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala met l'accent sur le fait de s'exprimer de la meilleure des manières, pas qu'avec les musulmans. Et là nous parlons avec des versets coraniques et des récits prophétiques authentiques, clairs, sans ambiguïté, réponse à ceux et celles qui prétendent que l'islam, ou bien ceux et celles qui s'apparentent à l'islam en disant « L'islam c'est le fait de te renfermer sur toi-même, ne te pas mélanger avec des non-musulmans et je ne sais quoi, pur égarement. » Les gens qui prennent certains textes et qui délaissent les autres textes et qui n'arrivent pas à contextualiser les textes comme il se doit. Eh bien, Allah Jalla wa'ala dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا » Et souvent, regardez dans ces termes, ou plutôt dans le sujet du comportement, le prophète ou Allah Jalla wa'ala utilise souvent le terme « النَّاس » et pas simplement « al-muslimu »,« al-muslimun », non, il parle des gens en général, parce que là, ça touche le comportement pour te rappeler le bon comportement. Si tu le limites avec ton frère ou ta sœur, c'est pas possible, c'est incompatible. C'est incompatible avec l'islam. Tu ne peux pas. Tu es mélangé. Les musulmans ont toujours été mélangés et ça s'est toujours bien passé à partir du moment où ils ont bien compris les textes et ils les ont mis en application comme il se doit. Allah dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا » Et dans d'autres textes encore, on peut voyager longuement. Rapporté toujours par l'imam Ahmad « بِسَنَدٍ صَحِيح » Le prophète « عَلِهِ أَبْضَلُ الصَّرَاتِ وَأَسْكَ التَّسْلِيمِ » Eh bien, quand il fut interrogé par Amr ibn Asaba radiyallahu anhu arda sur mal islam, ibn Abasa, afwan, Abasa, mal islam, qu'est-ce que c'est que l'islam? Eh bien, le prophète alayhi sallam n'a pas dit an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa an tuqima as-salah wa an tu... Non, il n'a pas parlé des piliers de l'islam qui sont connus. Là, il a rappelé que c'est comme s'il nous disait l'islam, ce n'est pas que les piliers de l'islam. L'islam a des piliers, mais l'islam n'a pas que des piliers. Et là, il nous rappelle que l'islam c'est, et regardez, il pointe du doigt un critère, un comportement que doit avoir le musulman parmi de nombreux autres comportements que doit avoir le musulman, mais il pointe ici, il met le doigt sur ce comportement pour nous rappeler que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme quand le prophète alayhi salatu wasalam a parlé de manasikul hajj, les rites du pèlerinage, il a dit al hajj ou arafah. Le hajj c'est Arafa, c'est pas que Arafa le hajj. Mais parmi les rites les plus importants, parmi les piliers les plus importants du hajj, si ce n'est le plus important, c'est Arafa. Al-wukuf bi Arafa.
Et bien là, le prophète, quand on lui a dit, qu'est-ce que c'est que l'islam? À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est de prier beaucoup, c'est de jeûner beaucoup, c'est de... Il a dit, c'est d'utiliser, de parler avec des bonnes paroles, de s'exprimer avec de bonnes paroles, des paroles plaisantes. Et c'est de nourrir, de donner à manger. Regardez l'islam. Les gens disent, c'est quoi l'islam? Terrorisme. C'est quoi l'islam? Se renfermer sur soi-même. C'est quoi l'islam? C'est... Le prophète a répondu, c'est quoi l'islam? D'utiliser des bons propos, de dire des bonnes paroles, des paroles plaisantes, de parler avec des bonnes paroles, de sortir de sa bouche que des paroles accompagnées de lumière, un nour. Wa it'amu at'am, nourrir, donne à manger, aide les pauvres, invite chez toi, même le riche, nourris, donne de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est ça l'islam. Et c'est le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim qui l'a dit. Et nous sommes fiers de répéter ce que notre messager de Dieu a dit, alayhi salatu wassalam. Ahibati fillah, il ne faut surtout pas aller à l'encontre de ce que je viens de dire précédemment, car sinon, nous allons tomber dans des choses dont le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a mis en garde clairement. C'est la division, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est le fait de s'isoler. Ila akhiri wal iyadu billah. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous rappelle qu'on doit se comporter de la meilleure manière avec tout le monde, mais plus encore. C'est-à-dire avec une plus belle manière et avec encore un meilleur comportement, exceller encore plus dans son comportement vis-à-vis de son frère et de sa sœur. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam dit dans Sahihain rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu veux quoi de plus? Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si tu appliques ça, tu as fermé toutes les portes au mal. Parce que tout ce que tu aimes pour toi, eh bien tu vas le souhaiter pour ton frère. Et tout ce que tu n'aimes pas pour toi, tu ne le souhaiteras pas pour ton frère. Et donc tu ne feras pas à ton frère ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et tu feras à ton frère ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et ça éloigne de toi, eh bien cette jalousie, cette rancœur, cette haine qu'on trouve dans ou chez beaucoup de musulmans et dans nos cœurs, et moi le premier malheureusement. Et cela va à l'encontre des recommandations prophétiques, des fameuses recommandations. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, et il a donné plusieurs recommandations, et quand il dit aux serviteurs de Dieu, wala tahasadu, la tahasadu, ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, ne surenchérez pas, il ne faut pas qu'il y ait de la surenchère les uns envers les autres. Ton frère a acheté quelque chose, ça y est, il a voulu payer le prix pour, et toi tu viens. Et toi, tu vas aller voir la personne qui vendait cette chose. Moi, je te propose plus pour pouvoir ici avoir la chose que ton frère avait réservée. Et ça, ça crée de la haine et de l'animosité. Non, on ne doit pas agir de cette manière en islam. On ne doit pas mépriser ou se mépriser les uns les autres, comme le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit dans le même hadith. On ne doit pas se tourner le dos. Le prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith, il dit aussi, vous êtes tous des frères, des serviteurs d'Allah azza wa jal. Le croyant ne ment pas à son frère, il ne lui tourne pas le dos, il ne l'opprime pas. Voilà les recommandations du prophète. Et parmi les recommandations, il dit, alayhi salatu wassalam, eh bien ce qui appartient à son frère, eh bien ce qui appartient à son frère est sacré. Son honneur, ses biens, c'est-à-dire que les biens de ton frère sont sacrés. L'honneur de ton frère est sacré, tu ne dois pas le prendre ou le toucher dans ses biens ou dans son honneur de façon injuste. Et il dit, wadamuhu, et son sang est sacré. Ça veut dire, tout cela est sacré auprès de Dieu, auprès d'Allah, jalla fi'ula, pour te rappeler, attention, de toucher l'honneur de ton frère, de toucher les biens de ton frère, de toucher, de verser le sang de ton frère, et de façon générale, verser le sang, bien sûr. On connaît les versets et les hadiths qui parlent de cela. Mais là, le prophète, il parle pour nous montrer encore la gravité qui est plus intense encore. Attention, ton frère ne lui porte pas préjudice. Comme ta sœur et comme les gens de façon générale, on ne doit pas leur porter préjudice. Et c'est pour ça que Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, elle a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam ne répondait pas au mal par le mal. Et quand on lui causait des torts, eh bien ici, il ne se préoccupait pas de ce tort et il passait à autre chose. Il délaissait cela et ne restait pas rancunier comme a dit Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Khalas, on t'a fait du tort, je réponds pas au mal par le mal. La darara wa la dirar. Et à côté de cela, je suis pas rancunier. Tu m'as fait du mal. Khalas. Il passait à autre chose. Il était intelligent, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention.
à se diviser dans la communauté et se diviser de façon générale. Ça prouve que tu peux avoir un amour encore plus intense envers tes frères et tes sœurs, mais cela ne veut pas dire que tu, dans tous les cas, tu ne peux pas aimer des gens qui ne sont pas musulmans ou musulmans, et que tu ne dois pas respecter ou tu ne dois pas côtoyer ou te mélanger avec des non-musulmans. Au contraire, l'islam appelle au contraire. Les chrétiens ont leur religion, ils se regroupent dans leur église. Nous, on est musulmans, on se regroupe dans la mosquée. Mais par contre, la mosquée est ouverte à tous. La mosquée est ouverte à toutes. Et quand tu sors de la mosquée, tu es ouvert toi aussi à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que cela? Est-ce qu'il y a quelque chose ici de plus ouvert que cela? Eh bien, ici, c'est ce qu'on appelle la sociabilité du musulman. Comment doit être le musulman? Eh bien, c'est ainsi, sociable. Et ça, c'est quelque chose de demandé dans la vie de tous les jours, ahibbati fillah. Et je tiens aussi à rappeler, mes chers frères et sœurs, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, bien qu'il a eu des persécutions, bien qu'ils lui ont fait du mal certaines personnes qui n'étaient pas musulmanes, qui voulaient le tuer, bien que des gens ont voulu le torturer, bien que des gens l'ont chassé de la Mecque, avec cela, il n'a jamais agi avec haine gratuite. Où il n'a jamais voulu verser le sang gratuitement, ou chercher à faire la guerre, Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a combattu, quand il a fait al-jihad, eh bien ça c'est quand, ici, il a utilisé tous les autres moyens pour éviter, car il a toujours voulu éviter. Il ne voulait pas, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un stade où il n'avait plus le choix que de se défendre, après avoir patienté, après avoir été persécuté, et il le faisait dans les règles de l'art. Ce n'est pas le fawda qu'on voit aujourd'hui, wal'iyadu billah, que de la haine. Il y a des gens, on dirait, ils vivent pour mourir, pour tuer, pour avoir de la haine, pour se renfermer sur eux-mêmes. Mais tu as vu ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tous les versets et tous les ahadiths qui parlent de la miséricorde et qui parlent du bon comportement du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam muslim? Ils ont été voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Certains sont partis voir le prophète et ils ont dit, ya Rasulallah, ud'u Allah ala al-mushrikin, invoque Dieu contre ceux qui nous sont en train de nous causer du tort, nous tuer, nous opprimer, nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Inni lam ub'ath la'anan. Innama bu'ithtu rahmatan. Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et ça, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes, pour l'ensemble des gens. Alors qu'ils étaient dans une situation, pour nous rappeler que le prophète, est-ce qu'il cherchait à tuer, à verser le sang? Il faisait tout pour l'éviter. Et malheureusement, et l'histoire l'atteste, et on retrouve ça dans toutes les religions, et on retrouve ça dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, à travers l'histoire, les guerres ont toujours existé. Et ça ne veut pas dire que ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il a été amené à se défendre, il a appelé au djihad de tuer tous les mécréants et de tuer tous les associés, comme certains jeunes excités le disent quelquefois, malheureusement, qu'Allah nous et les guide. Ça ne se passe pas comme ça, l'islam. Le prophète, quand il marchait, c'était une miséricorde ambulante. Il marchait et c'était une lumière ambulante. Il gagnait les cœurs. Ne serait-ce qu'avec son comportement, sans parler. Où sommes-nous par rapport au comportement prophétique? Et où sommes-nous par rapport à cette ouverture? Jusqu'à ce que maintenant, aujourd'hui, même entre musulmans, quelquefois un musulman qui croise son frère musulman, on dirait que c'est les plus grands ennemis, sans aucune raison. Sans aucune raison valable. Et ensuite, on dit, non, on a un bon comportement. Il y a une déficience chez les musulmans, pas dans l'islam. Chez certains musulmans, sans généraliser. Il y a une déficience, il y a des problèmes, il y a des choses à régler, à recadrer, et ça, c'est indispensable. Et le musulman, quand il s'adresse aux gens de façon générale, eh bien, il mesure ses paroles, et je terminerai avec cela. Et il mesure ses paroles comme il se doit. Il sait comment, quand, de quelle manière parler. Et tout le monde fait des erreurs. Eh bien, à toi de rectifier tes erreurs et de continuer à avancer, à cheminer, comme Dieu te l'a mentionné dans le Saint-Coran ainsi que son messager, alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, « Ud'u ila sabili rabbik » Appelle au sentier de ton Seigneur, mais il te dit de quelle manière? Bil hikma. Et al hikma, on pourra en parler des heures, avec sagesse. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut, ou bien si tu veux, dire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment où il faut. Le musulman, eh bien, il sait comment parler, de quelle manière, avec qui parler. Et il s'adapte, et il agit toujours avec cette bonne exhortation. Wabil maw'idhatil hasana, comme Dieu dit, avec bonne exhortation, avec des bonnes paroles. Avec ici une bonne approche, en étant facile, en étant ouvert, en étant respectueux, tolérant, ila akhiré. Tu sais comment parler, de quelle manière parler.
Et ensuite, quand tu as appliqué cela, alhamdulillah, si la personne accepte, eh bien tant mieux. Si elle n'accepte pas, eh bien à ce moment-là, je respecte son avis et il doit respecter mon avis. Et s'il s'entête, Jabilur Ras, Anid, Rasu Qasah, comme on dit dans Darija. Il y a des gens qui sont comme ça, têtus, tu peux rien faire, laral. Il s'entête. Et il s'entête, et il continue à s'entêter. Et là, tu dois appliquer le verset coranique. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَام. Il n'a pas dit tu le combats ou tu... Quand il rencontre un ignorant, eh bien, il dit salam. Toi, tu n'es pas d'accord avec lui, il n'est pas d'accord avec toi. Salam, salam, c'est le mot quoi? La paix. C'est-à-dire, tu demandes à Allah Azza wa Jal de quoi? De t'éloigner de lui dans la paix. Dans le calme, dans la douceur, dans la bonne ambiance, il n'y a pas de problème. Mais tu t'écartes de lui. Parce que, ici, l'être humain, eh bien, il faut savoir. Eh bien, il sera un des quatre personnages, si on veut. Comme l'a dit ici Khalil ibn Ahmad, Al-Farihidi. Ici, il dit, Khalil ibn Ahmad, il dit, rahimahullah ta'ala, Al-Rijal ou Arba'a. Les hommes sont de quatre types. En général, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ben, il fait partie d'un de ces quatre. Et il dit, Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa dhalika al-alimu. Fa khudhu minhu. Un homme qui sait. Il sait qu'il sait. C'est un savant. Prenez de lui. Ensuite, il dit, il y a un autre type de personnage. Rajulun yadri. Wala yadri annahu la annahu yadri. Un homme qui sait, mais il ne sait pas qui sait. Fadhalika nasi. Fadhakiro. Il faut lui rappeler qu'il sait, qu'il connaît. Lui, il ne sait pas qu'il connaît. Khalas, deuxième partie. Ensuite, il dit, wa rajulun la yadri. La yadri. Wa yadri annahu la yadri. Et il sait qu'il ne sait pas. فذلك الجاهل فعلموه. Il sait qu'il ne sait pas. Il dit, moi je ne connais pas. Il dit, ça c'est un ignorant. Enseignez-lui. Et ensuite il dit, ورجلون لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاجتنبوه. Et il dit, il y a le quatrième ou la quatrième type de personne. Eh bien, il dit, c'est l'homme qui ne sait pas. Et il ne sait pas qui ne sait pas. Eh bien, celui-là, c'est quelqu'un, un sot. Ou quelqu'un de idiot, eh bien, écartez-vous de cette personne. Parce que tu peux rien faire avec lui. Il est persuadé. Écarte-toi de lui. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٍ. Mais dans tous les cas, tu fais les choses dans les règles de l'art, avec douceur, en étant d'un abord facile, et tu agis avec miséricorde, comme tu veux que le miséricordieux agisse envers toi, car même Allah, Jalla wa'ala, le miséricordieux qui fait ce qu'il veut quand il veut, même quand il voit des gens qui ne l'adorent pas, eh bien, avec cela, même s'il voit des gens qui ne croient pas en lui, eh bien, avec cela, eh bien, il leur fait quand même miséricorde. Il leur permet de boire, de respirer, de manger. Il envoie des anges qui les protègent aussi, comme on l'a vu dans le sermon de la semaine dernière. Dieu agit avec miséricorde, alors qu'il fait ce qu'il veut, pour nous rappeler. Eh bien, comme le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a dit, man la yarham, la yurham. Celui qui n'agit pas avec miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Car si tu veux rentrer au paradis, sache comme le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, personne ne pourra rentrer au paradis avec ses actions, mais on ne pourra entrer au paradis que par la miséricorde du miséricordieux. C'est pour cela, fais miséricorde, pour que le miséricordieux te fasse miséricorde. Allahumma arhamna bi rahmatika ya dhal jalali wal ikram. Hadha wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salami alayhi. كما قال جل شأنه في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا يا رب العالمين